front of the net. Oh, what a save by Roy. Another shot. Roy stopped it. A scramble. Roy down. How can he keep that puck out? I don't know, but he is keeping it out. What goaltending by Patrick Roy of the Montreal Canadiens. Unbelievable. Et ce sera la victoire des Canadiens. Année pour les Canadiens. Le 23e de l'histoire. Et ils battent un record du sport professionnel. Ils battent le record des Yankees de New York. Et là, première course d'année pour plusieurs. On pourra donner Max Maslun, Claude Lemieux, Bobby Smith, Robinson, c'est sa sixième, Carbono. Christian Inouï depuis une vingtaine d'années. Les Canadiens qui, encore ici à Calgary, à plusieurs supporters. Déjà. Une quinzaine de mille francophones. Oui, lorsqu'on s'entretient avec la foule, eh bien, on disait, au moins, si Calgary ne gagne pas, ça sera une de nos équipes favorites qui va s'emparer de la Coupe Stanley. C'est tout le monde, tous les joueurs du Canadien qui me rend dans la Ligue avec son attaque massive, tandis que les Islanders viennent en troisième place. Et Patrick Roy. La Gazette ce matin au sujet de... Oh, voilà un tir! Oh, il a touché le poteau! Oh, ben c'est nous, les Blackhawks n'ont pas de chance. Vraiment pas de chance. Non, il est venu faire l'arrêt avec le bâton. Est-ce qu'il a fait l'arrêt? Je pensais que la rondelle avait touché le poteau. Non, j'ai bien vu. S'il a fait l'arrêt, il a fait l'arrêt avec son bâton. Il y aura sûrement une injustice. Il a bougé rapidement. La première étoile. Si j'ai bien vu. Il a bougé rapidement, fait l'arrêt avec le bâton à sa droite. Mais tu as bien vu. La foule est debout pour ovationner Patrick Roy. On va revoir ici le premier tir. Voilà l'arrêt qui est donné sur le retour et sur les... Ben voilà. Oui. Avec le manche du bâton. Eh bien, Patrick Roy qui nous fournit une performance. Ça m'appelle... J'essaie de trouver un qualificatif. On en a employé plusieurs ce soir. Évidemment, on emploie toujours des superlatifs dans le monde du sport. Mais je pense qu'on peut en employer dans le cas de Patrick ce soir. Crowder et Carbono. Finalement, Crowder a le meilleur. Il a remis à Nilek. Ça passe. Lance. Oh, un arrêt remarquable de Patrick Roy avec la mi-temps. Certainement l'arrêt le plus spectaculaire dans le match ce soir quand on connaît la puissance du tir de Cam Neely. Nilek, il est le seul à l'avoir battu ce soir. Et là, il était posté une quinzaine de pieds devant lui, a décoché un très bon tir. Un arrêt spectaculaire. Neely qui a pu se faufiler assez facilement, passer comme une balle à côté de Craig Ludwig. 6 minutes 31 secondes maintenant à faire à la course. Smith, et là une attaque à 2 contre 1. Ferraro en compagnie de McDermott, la passe à McDermott, le tir. Oh! Quel arrêt de Roy! Moi j'étais sûr, Gilles, que ça y était. Mais bon, un arrêt spectaculaire. Et c'est de cette façon, qu'on va faire le match. Et du côté du Canadien, on s'empresse de féliciter Roy. Il y a longtemps qu'il voulait inscrire son nom d'une façon assez spéciale dans le livre des records du Canadien. Il vient d'effacer le nom de Bill Burnham, du moins en ce qui concerne les matchs sans défaite à la maison. Bill Burnham, qu'on aperçoit dans une de ses poses caractéristiques, l'un des très grands gardiens dans l'histoire du Canadien. Et pour Roy, ben, il n'a pas fait les choses d'une façon ordinaire. Il l'a fait par un jeu blanc, son 4e de la saison. Il y a seulement Greg Mellon dans la Ligue nationale cette année qui a plus de jeux blancs que lui. Et c'est certainement la victoire la plus facile du Canadien depuis le début des confrontations canadiennes-nordiques. Pas seulement à cause de la marque de 8-0, mais à cause de la facilité avec laquelle le Canadien a gagné ce match-là. Les Nordiques ne se sont jamais présentés. Et pour exprimer à quel point...